D'un cours sur Quand les dinosaures. Quand apprendras-tu à écouter? Tu as conquis le titre, le commandement du B613, tu es assis sur le trône, tu crois avoir réussi, tu crois que la victoire est enfin tienne et tu devrais te sentir comblé, extatique. Mais au lieu de ça, tu sens comme un vide, un manque. C'est pour ça que tu es venu. Pas pour un cours, évidemment. Ça voudrait dire que tu es conscient d'avoir encore deux ou trois choses à apprendre de moi. Non, 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 non! Tu es venu pour te faire applaudir. Tu es venu pour que papa te félicite et te prenne dans ses bras. Parce que tu crois que c'est ça qui manque. Tu penses avoir besoin d'entendre dire « Bien joué, champion, excellent travail !» Tu crois avoir besoin que je te dise comme je suis fier de toi. Tu crois qu'obtenir mon approbation te soulagera, remplira ce vide que tu sens en toi et tout à coup, miraculeusement, fera enfin de toi le maître, le roi. Moi, je veux bien essayer. Allons-y. Bien joué, champion. Excellent travail. Je suis tellement fier de toi, fils. Félicitations. Ça, c'est un bon garçon. Bravo. Je suis venu vous dire que je suis le commandant maintenant. Je peux être indulgent ou implacable envers vous. J'ai désormais le pouvoir absolu. Vous devez vous rentrer ça dans tu le crâne. Tu n'as absolument rien. Enfin, c'est ce que je pense. Comment ai-je pu échouer et avec toi et avec Olivia de façon aussi spectaculaire? Vous courez la ville dans tous les sens, l'un comme l'autre, en vous pavanant et en proclamant l'étendue de votre pouvoir à qui veut l'entendre. N'avez-vous donc rien appris tous les deux? N'as-tu rien absorbé, toi assis à ma droite toutes ces années? Si tu ressens le besoin d'étaler ta puissance, tu n'es personne, tu n'as rien, tu n'as pas de pouvoir, zéro, pas une once! Le vrai pouvoir se tait, le vrai pouvoir se cache, le vrai pouvoir est inné, on l'a dans le sang. Le véritable pouvoir ne peut ni se conquérir, ni se perdre, ni s'acheter, ni se vendre. C'est quelque chose qu'on a en soi. Je suis le pouvoir. Le pouvoir absolu, total et irrévocable. Je suis et serai jusqu'à la fin le pouvoir absolu. J'attends désespérément que l'un de vous se réveille et vienne me rejoindre au sommet parce que c'est une telle solitude, tout là-haut. Diriger le monde, vraiment diriger le monde et surveiller le moindre de ses mouvements est une tâche éreintante. Les compromis, les renoncements, l'incessante série de vies sacrifiées. Un tel degré de responsabilité. Le commandement n'est pas un emploi qu'on prend ou qu'on quitte. Tu peux te donner le titre de commandant. Elle a pu se donner le titre de commandante. Mais tu crois réellement qu'Olivia ou toi m'avez jamais pris le commandement? Je serais tellement heureux. Je serais tellement heureux de vous voir enfin évoluer et de trouver enfin le repos dans l'extinction. Tu ne peux rien contre le commandant, fils, contre l'essence même du véritable pouvoir. Alors, retourne jouer dehors. Et laisse-moi en compagnie des autres dinosaures. Il suffirait que je vous tue. Tu ne le feras pas. Je serai là, fils, comme toujours. Je serai là au moment où tu mordras la poussière. Ne soyez jamais sur mon chemin.